Le départ pour le nouveau monde de ma famille remonte à l'attaque de Malte, dernier bastion d'un ordre de chevaliers croisés et agonisants. Le fait est que mon ancêtre Morgan Black a défendu l'île avec les chevaliers de Saint-Jean contre Saïn et les Ottomans. Sinon, comme la plupart des histoires, il est difficile de faire la part des choses entre vérité et légende. Morgan, les Ottomans ont débarqué. 1000 janissaires menés par Saïn le Faucon. Alain Magnan commande toujours les chevaliers. Il veut qu'on les retienne sur la plage. Nous ferons face. Fini les croisades. Seul reste votre chevalerie. Un vestige. Je ne suis pas encore prêt à mourir, Faucon. Pas plus que notre chevalerie. Elle est déjà morte, Morgan. Mourrez-vous avec elle. Déplacez l'arbalète vers les murs de devant pour attaquer les janissaires. Défendez le fort à tout prix. Encore deux. Pourquoi ce feu? Et vous oubliez mon rôle, Morgan? Je vous avais ordonné de... Saïn le Faucon progresse avec des grandes bombardes. Le Faucon ne résistera pas à ma cavalerie lourde. En avant, Morgan! Allez détruire ce canon! Oui, monseigneur. Attaquez le fort avec la cavalerie et balayez ces bombardes! C'est la dernière bombarde. Excellent travail. Nous avons vaincu le Faucon. Pour l'instant. Ne nous battons pas, Franc. Ne vous interrogez-vous donc jamais. Je ne suis pas un Franc. Je suis Écossais. Tous les Européens sont des Francs pour moi. Vous êtes aveugle, Morgan. Vous et votre pathétique chevalerie n'avez pas votre place dans le monde moderne. Bravo, Morgan. Les Turcs sont terrés dans les grottes, à l'est. Si nous les attaquons maintenant, nous pourrons les chasser de Malte. Rien ne me ferait plus plaisir. Vous, avec moi, prenez cette bombarde. Nous sommes attaqués par l'est. Nous aurons du mal à tenir. Avancez la bombarde. Bon travail. Les Ottomans cachent leurs armes et leurs provisions dans les grottes de l'est. Nous devons les en déloger. Une des explosions a révélé un autre passage. Excellent travail. Alain, là! L'explosion a ouvert un tunnel. Alors voilà ce que les Ottomans cherchaient sur Malte. Une bibliothèque taillée dans la pierre, très ancienne. Cet ouvrage provient du Cercle d'Ossus. Qui est-ce? Il existe une société secrète. Pour certains, ce sont les hommes les plus puissants d'Europe. Pour d'autres, ce ne sont rien plus que des scientifiques et des alchimistes. Ils cherchent un moyen de trouver la vie éternelle. L'ouvrage évoque le lac de la Lune. Lieu uniquement connu des Aztèques. Americae sive nobi orbis. Vous partez pour le Nouveau Monde, Morgan. Quoi? Par-delà l'océan? Saïn et les Ottomans sont d'ores et déjà en route. Battez-les et trouvez ce lac. L'avenir de la chevalerie dépend de votre réussite. Prenez la mer. Nous vous enverrons des ressources et des hommes à votre arrivée.
À cette époque, la traversée de l'Atlantique était alors réservée aux plus courageux. Pour servir les chevaliers de Saint-Jean, Morgan était prêt à relever n'importe quel défi que lui réservait le Nouveau Monde. Terre ! Je l'ai vu ! À moi alors ! Vous aurez votre or, mais prudence. Ces eaux sont inconnues. Que s'est-il passé ? Un navire, bourré d'explosifs. Il a surgi de nulle part. Et il y en a d'autres derrière. Je suis Elisabeth Ramsay. Livrez vos navires et vous aurez la vie sauve. Nous, chevaliers de Saint-Jean, ne nous rendons pas. Chevaliers ? Bizarre. Feu ! Débarquez ! Tenons jusqu'à l'arrivée des autres navires et nous forcerons le passage. Pirates droit devant, capitaine! Encore un brûlot! Il se lance à l'abordage! Notre navire est très endommagé. Fondez une colonie sur cette île et attendez que d'autres navires arrivent de Malte. Une fois notre colonie implantée, il faudra trouver un moyen de naviguer entre ces îles, capitaine. Ces pirates ont des cartes de navigation qui peuvent nous aider à traverser ce labyrinthe d'îles et de récifs. Nous avons toutes les cartes pour voguer vers le Nouveau Monde. Qui eût cru que je foulerais un jour le sol des Amériques meurtries ? Ne nous séparons pas. Nous ignorons quels prédateurs rôdent dans cette jungle. Animaux ou humains. Il a fallu que ce chevalier me suive jusqu'au Nouveau Monde ? Il ne comprend rien. Nous ne cherchons pas le lac de la Lune. Nous voulons juste en éloigner le cercle. Saïn nous a battus, mais nous nous soucierons de lui plus tard. Implantons notre colonie. Bon. Allons chasser Saïn et les Turcs. Les Turcs sont en déroute. Excellent travail. La cité aztèque est au nord. Les Espagnols en font le siège. Si nous aidons les Aztèques, peut-être nous indiqueront-ils l'emplacement du lac de la Lune. Et les Turcs ? Vaincus. On a tué le gros des survivants dans la jungle, et les Espagnols ont capturé les autres. Au secours ! Tuez-les ! Au secours ! Le blanc le plus pur. Du jamais vu. Si. Sur les murs des grottes de Malte. Je n'aime pas ça. Ce monde recèle de nombreux dangers. Cet animal indique-t-il que le cercle dessus se trouve dans le Nouveau Monde ? Je le crains. Et nous devons trouver le lac de la Lune avant le cercle. Préparons-nous. La cité aztèque est au cœur de la jungle. Il va falloir la traverser. Le village est sauvé! Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'or. Que cherchaient les Espagnols? La carte. Quelle carte? Vous êtes dessus. Le lac de la Lune est en Floride. Prévenez Alain. Bon. Outre les Aztèques, nous avons aussi capturé un Turc. Que fait un Ottoman au Nouveau Monde? Je n'ai rien contre vous, conquistador. Je voulais juste consulter une vieille carte. Si, si, le Lago de la Luna. J'ai aussi vu la carte. Ma flotte au trésor s'arrêtera en Floride. L'eau de votre lac fera de moi un homme riche à mon retour en Espagne. Alors, vous comptez garder l'eau pour vous ?
Les conquistadors ne valent pas mieux que le cercle. Encore cette vieille histoire. Le cercle a des ramifications à Prague, Alexandrie et même en Espagne. N'avez-vous pas vu les bêtes blanches? Bah, le cercle d'Ossus n'est rien d'autre qu'une légende. Au combat, il ne résistera pas. Mettez le Turc dans la cale avec les prisonniers. Une fois en Espagne, il sera sévèrement jugé. Morgane mit le cap vers la Floride, mais c'était sans compter l'ouragan. Les chevaliers n'avaient jamais vu ça de leur vie. Il balaya les Caraïbes et détruisit toutes les fragiles colonies. Il va devoir rester un moment en cale sèche avant de pouvoir reprendre la mer. Quelle guigne ! Il faut qu'on reparte ! Si vous tentez de gagner la Floride avec ça, c'est le naufrage assuré. Vous avez déjà de la chance d'avoir échappé à cet ouragan. À propos d'ouragan... Tiens, tiens, Morgan Black. Alors vous n'êtes pas encore mort? Qu'entends-je à propos de la Floride? Rien qui ne vous regarde. Oh, allez, vous avez envoyé mes meilleurs navires par le fond. Je mérite un peu de courtoisie. Vous cherchez la flotte au trésor? Oui, nous poursuivons les Espagnols, mais pas leur or. Emmenez-nous en Floride, et il est à vous. Oh, vous et vos chevaliers combattant les Espagnols pendant que je pars avec le butin. Quel tableau! Mais vous n'êtes pas à la hauteur. Et vous si. Vos pirates sont trop crasseux et affamés pour rivaliser avec une armée de conquistadors. C'est juste. Mais j'ai pas l'habitude de naviguer avec des chevaliers. Je pourrais vous emmener, vous et vos hommes. Mais vous devez d'abord faire vos preuves. Montrez-vous digne de naviguer avec moi, et je vous emmènerai en Floride. Pour impressionner Lizzie, je dois me faire un nom dans ces îles. Il faut que j'améliore ma réputation. L'ouragan nous a déviés de notre route. Aucune expédition n'arrivera de Malte. Monsieur, des indigènes attaquent des colons locaux. Protégeons ces colons. Morgan Black. Que vos hommes montent à bord. Je vous emmène en Floride. Hé, hey, les Espagnols, la flotte ne doit pas être loin. Qui est-ce? Mon commandeur, Alain. Il a dû avoir mon message. Bravo, excellent travail, Morgan. Vous avez fait tout ce que je vous avais demandé. Je vais empêcher les Espagnols d'atteindre le lac. Que dois-je faire? Prenez leur flotte. Nous utiliserons cet or si mal acquis pour reconstruire notre chevalerie. Attendez une minute, vieil homme. Elisabeth, laissez-moi m'en charger. Morgan, quand cette affaire sera terminée, il faudra absolument que nous discutions du choix de vos amis. Les Espagnols ont des fortifications tout le long des côtes de Floride. Explorons la région pour débarquer en lieu sûr. Alors, Saïn, on dirait que vos amis espagnols vous ont abandonné. Si je meurs, il n'y aura personne pour arrêter le cercle. Bravo, Morgan. La flotte est à nous désormais. Et mes hommes contrôlent la fontaine de Jouvence. Je vous mets en garde, comme le conquistador. Le pouvoir du lago de la Luna est très ancien. Ne le méjugez pas. Morgan, pourquoi ce sauvage est-il encore vivant? Les prisonniers incas nous ont aidés contre les Espagnols. Pourquoi les tuer? Je suis chevalier commandeur, alors obéissez à mes ordres. Exécutez le Turc et les autres.
puis rejoignez-moi au lac. Vous comprenez enfin? Ils vous ont eu? Silence! Ouvrez les yeux! Le cercle d'Ossus veut le lac, car il le prend pour la fontaine de Jouvence. Je fais sans cesse de mon mieux pour le protéger du cercle. Et d'Alain Magnan. Que dites-vous? Alain a voué sa vie à la chevalerie. Il n'est pas membre de ce cercle. Il est malin. Alain vous a laissé combattre les Espagnols pour se ruer vers le lac. Il vous utilise. Libérez-le. Je me méfie de vous deux, mais je ne sais que penser d'Alain. Avant toute décision, je vais aller voir cette fontaine de Jouvence. Hey, des chevaliers cernent le lac. Pas des chevaliers, c'est le cercle. Hey, des animaux blancs. Les hommes avec Alain, c'est la garde des reliques, l'élite des soldats du cercle. C'est l'affaire des chevaliers maintenant. Alain m'a abusé et utilisé comme un pion. Il a trahi les chevaliers de Saint-Jean. Il le paiera. Si vous voulez vous venger, privez-le de son but, la fontaine. Que dites-vous? Détruisez-la. C'est le seul moyen. Ces hommes ne doivent pas s'emparer de la fontaine de Jouvence. Construisons des brûlots. Mais je suis à court de poudre noire. Je suis ottoman. Je peux vous financer sans problème. Allez chercher la poudre. On aura besoin de tout. Abordez la fontaine avec un brûlot! Victoire! With Elaine Magnan dead and the fountain destroyed, the Circle of Ossus had nothing left in the New World. Sahin knew the Europeans were carving out empires in the Americas. He realized that the Ottomans were as much relics of the past as the Knights of St. John. Lizzie had lost her Spanish gold, and it would be several years before she really forgave Morgan. I'm not sure if she was really my great-great-grandmother, but folks say I have a pirate's temper. Was there something special about the fountain's water? All I know for sure is the Circle would return to find out. On dit que le petit-fils de Morgan, John Black, avait bien plus d'ennemis que d'amis. Quoi qu'il en soit, il était toujours accompagné de Kanyenke, son ami Mohawk, même s'ils furent animés d'une rivalité amicale. Trop lent, John Black. Vous êtes moins rapide qu'avant. Et votre vue faiblit. Votre flèche a manqué sa cible. C'est moi qui l'ai descendu. Plus que quelques kilomètres avant Brunswick. On a marché bien longtemps. Vous méritez tous un bon repas chaud. C'est une perte de temps. Votre oncle voit une ombre dans la forêt et crie à l'aide. Stuart ne vaut pas mon grand-père Morgan comme commandeur. Mais s'il dit que la colonie est en danger, je le crois. Pourquoi les Cherokees attaqueraient? Brunswick est loin de chez eux. Qui sait? Les colons ne peuvent pas prendre de risques. Et tant qu'ils nous paient, leurs intérêts sont les miens. John, oh Dieu merci, vous êtes là! Que s'est-il passé? Où est la garnison? Il ne reste plus que ces hommes. Les autres sont tous morts, et les Cherokees ont emmené la plupart des survivants. Il y a une autre bataille.
à moins de 2 kilomètres. Je les entends. Consolidez les défenses et ouvrez l'arsenal. Tous les colons capables de tenir un mousquet sur les murs. Nouvelle vague de Cherokee en vue. Go ! Prenez des fusils et défendez les murs. Je ne comprends pas. Les Cherokees ont toujours été des voisins pacifiques. Pourquoi attaquent-ils ? C'est incompréhensible. Eux qui étaient si pacifiques. Préparez les défenses. Tenons les Cherokees à distance jusqu'à l'arrivée des renforts. Les renforts sont arrivés. Les Cherokees battent en retraite. Rassemblez les hommes. On va poursuivre les Cherokees. Vous êtes payés pour protéger la colonie. Si les Cherokees regagnent leur village, ils reviendront en force. Nous devons les devancer. 6 restent là avec les blessés. Les autres avec nous. D'autres guerriers doivent être rassemblés sur les campements. Il est peut-être temps de combattre. Stuart, restez ici avec les autres femmes. Oui, je pense être plus utile ici. C'est bizarre, John. Une embuscade ! Des fusiliers britanniques ! Pourquoi attaquent-ils leur propre colonie ? D'où la présence des canons Cherokee. Ils se sont alliés aux Britanniques. Trouvez un membre de la famille Black et tuez les autres. Les frégates britanniques bombardent la colonie ! Stuart a besoin de vous! Dites à Stuart que nous faisons notre possible! Nous avons déjà assez de problèmes ici! Oui! Oh là là! Des Britanniques! Ici! Parlons un peu de l'emplacement de la fontaine. Oh là là! Pourquoi les Anglais attaqueraient-ils leur colonie ? Où est mon oncle ? Emmené vers le nord. Les raids étaient une diversion. Les soldats voulaient éloigner la garnison de la colonie pour l'attaquer. Pourquoi, Stuart ? Je sais pourquoi. C'est à cause du cercle. Ma famille a de puissants ennemis. Alors ma tribu et ma sœur sont peut-être en danger. Rentrons en Nouvelle-Angleterre. Mon peuple ne tiendra pas face aux Britanniques. Tiens bon, Nonaki. Nous voilà. Pour accéder au village de votre sœur, il faut franchir les lignes britanniques. Entraînons une armée et attaquons les Britanniques de notre côté. Pendant que les Anglais nous combattent, les Iroquois peuvent préparer une attaque. Les Iroquois vont faire souffrir les hommes blancs britanniques. Frère, ça a été long. Oui, c'est vrai. Le nouveau gouverneur, Warwick, vous connaît, John. Ces soldats vous cherchent. Ils ont promis de l'argent et des chevaux si vous vous livrez. On les a chassés. Le lendemain, cette attaque. Warwick n'a pas besoin de me chercher. Je vais me rendre. Ils étaient trop nombreux, général. On n'a rien pu faire.
Seuls quelques indigènes ont eu raison des soldats britanniques. Je suis déçu, capitaine. Des mercenaires accompagnaient les Iroquois. Des hommes de Black. Ah, le renard est enfin sorti de sa tanière. Débarbouillez-vous. Vous avez du travail. Emmenez l'oncle de Black au Fort West. Il me dira où est la fontaine de Jouvence avant de mourir. John, enfin. Avez-vous parlé de nous à votre frère ? Non, plus tard, quand tout rentrera dans l'ordre. Maintenant, c'est trop tôt. Les Français progressent face aux Britanniques. Votre peuple va être pris en sandwich. Que devons-nous faire ? Alliez-vous aux Français plutôt qu'à ce Warwick ? Les Français ne sont pas fiables. Pas plus que quiconque. Il fait jour. Allons voir ces Français. Les Français ont besoin d'aide. Repoussez les Britanniques de l'autre côté de la rivière. Aucun signe de Warwick, ni de mon oncle. Oh, un drapeau de trêve. John Black ? Oui, et vous ? Colonel Washington, que font vos mercenaires avec les Français ? On se retire. Donnez-nous Warwick. C'est un renégat. Il a ordonné d'attaquer les indigènes sans l'autorisation de la couronne. Il va devoir en répondre. Il n'ennuiera plus vos amis Iroquois. Il a enlevé mon oncle. Alors il doit être mort. Mais si vous poursuivez Warwick, les Anglais vous soutiendront. Il est parti vers le lac Huron avec quelques traîtres. Pensez-vous que Warwick appartienne au cercle ? Oui, et il serait dangereux de le poursuivre. Nonaki reste ici. Nous allons poursuivre le traître, colonel. La garde, c'est incroyable. Que veut le cercle à votre famille ? Ce sont des fous à la poursuite d'une vieille légende. Ils croient que mon grand-père Morgan savait où était la fontaine de Jouvence. Et alors ? Ce n'est qu'une légende. Venez, mon oncle est là, quelque part. Le bois de cette région ne convient pas à la construction navale. Il va falloir compter sur notre marine, colonel Washington. Mes navires navigueront bientôt sur ces grands lacs. En attendant, établissons une base ici et fabriquons des canons. Excellent travail. Les forces de Warwick sont vaincues. Mais il semble qu'il ait fui. C'est votre oncle. Je l'emmène là où les autres sont morts. Non. Je m'en charge. Warwick n'est pas loin. Il va vers l'ouest, par les plaines. Hâtons-nous et nous le rattraperons. Nonaki doit rentrer. Ça va mal finir. Je ne veux pas qu'elle voie ça. D'accord. Vous êtes au courant pour nous, non ? John Black, j'aurais préféré un autre mari pour ma sœur. Quelqu'un de plus... stable. Mais c'est elle qui décide. Je ne me mettrai pas entre vous. Mmh.
Ces plaines. Je n'ai jamais rien vu de tel. Prudence. Je ne connais pas les gens d'ici. Ils savent peut-être où est Warwick. Venez. Warwick et sa garde des reliques veulent tuer tous les chefs des plaines. Gagner le respect des tribus avant que le dernier chef ne soit tué et Warwick sera chassé. Vous avez réussi. Vous avez gagné le respect du peuple des Grandes Plaines. Là-bas. Ça va être dur. Est-ce qu'on attend les renforts? Washington a promis hommes et provisions. On ne peut attendre. Volons des provisions à Warwick. Conduisez ce chariot au camp. Il nous faut des ressources pour attaquer ce fort. C'est pas possible. Mon bastion s'écroule. Beau travail. La forme de Warwick a été détruite. Ces soldats, ils sont russes. Ils viennent de par-delà l'océan? Oui, mais un autre océan. L'océan Pacifique. Ils vont vers l'est, et Warwick leur a ouvert la voie. La voie est libre. Rien ne peut les arrêter. Avec la guerre franco-britannique, il n'y a personne pour défendre les colonies contre cette armée. Excepté nous. Tiendrez-vous seul? Pas longtemps. Qu'allez-vous faire? Je vais abattre la montagne. Je vais poser des explosifs dans la montagne, au nord. Isoler les autres cols et obliger les Russes à passer par le col nord. I don't know exactly what happened on the mountain that day, but my grandfather wasn't the type to go down without a fight. Warwick. You're delaying the inevitable. The new world belongs to the Circle of Ossus now, Black. You shouldn't have taken Stuart. You're right. It seems you're the keeper of the family secret. There is no secret. Perhaps. Are you made of sterner stuff than your uncle? I so love a challenge. Fools! The powder! John Black may have made a lot of enemies in his life, but he died a hero. He knocked the Circle back on their heels so hard, it would take them decades to recover. By spring, Kenyon returned to his village. Life went on just as it had for years. Except that his sister had given birth to John's son. And though the Russians were gone, Kenyon knew other white men would follow, spreading like wildfire until they covered the land. But until then, he would live, work, and help raise his sister's son, my father, Nathaniel Black. Le sacrifice de John ne fut pas vain. Ma famille fut récompensée par les Britanniques et, plus tard, par les Américains. C'est alors que nous devâmes riches. Quelles années d'expansion et de construction!
nous repoussâmes sans arrêt les frontières vers l'ouest. Mon père Nathaniel était bon patriote, mais piètre homme d'affaires. Lorsque je lui succédais, la fortune de la famille Black avait fondu. Et c'est là que commence mon histoire. Amelia Black, la propriétaire de Falcon. C'est vrai que votre grand-mère était une Mohawk? Excusez-moi, je n'ai pas le temps de discuter. On dit que Falcon construit une voie ferrée jusqu'à la côte ouest. Ah oui, à moins bien sûr que nos concurrents nous devancent. Je dois y aller maintenant. C'est vrai ce qu'on dit, que Falcon est en faillite. Le gouvernement doute que vous réussissiez, Black. Il va falloir nous prouver que vous êtes meilleur que les autres pour obtenir le contrat. Le gouvernement aura sa voie ferrée, Major. Protégez mes hommes. Ensuite, vous pourrez retourner combattre les Mexicains ou les Séminoles, ou ce que vous voulez. La société Falcon ne possédera jamais le chemin de fer dans cette région. Beau travail à tous. Le chemin de fer est terminé. Commencez à ravitailler la frontière. C'est fait. Où est l'argent? Vous serez payé bien assez tôt. Bon travail, Black. Il fallait vraiment ravitailler les forts frontaliers. L'armée mexicaine est en marche. Elle est peut-être déjà là? Tout le monde au fort! Éloignez vos ouvriers. Bien. Mais je reste sur le mur. Oh, elle sait se battre, la jolie. Je vous connais, l'ami. Je m'appelle Pierre Beaumont. L'armée mexicaine m'a poursuivi jusqu'ici et nous voilà piégés ensemble, non? Je vais vous montrer comment j'aime tuer. Les Mexicains vont bloquer nos ravitaillements. Conservez le plus de ressources possible. J'ai un régiment en route. Protégeons le fort jusqu'à son arrivée. Vous partez? Je dois finir le chemin de fer si je veux être payé. Vous manquez d'argent ces jours-ci, hein? Je vais vous aider. J'ai une mine d'or dans les montagnes. Et qu'est-ce que vous voulez? Vos hommes. Moi, je suis seul. Vos hommes exploitent l'or et vous en gardez la moitié. 70%. Et je veux d'abord voir la mine. D'accord. Je vous suis dans le Colorado. On va voir la mine et vous retournerez alors jouer au petit train. On y va? Oui. Allons-y. C'est encore loin? Non, là-bas. Dans la grotte. Amelia, stop! C'est un piège. Il dirige le cercle. Kanyenke? Vous m'avez suivi trop longtemps. Réglons ça ici, vous et moi, entre hommes. Pas aujourd'hui, Beaumont. J'ai la cavalerie. Merci. Remerciez l'Indien. Il vous a suivi sur de nombreux kilomètres. Comment savez-vous pour Beaumont? On en reparlera plus tard, quand on aura le temps. Emmenez Beaumont. Je vais chercher de l'aide dans les villages voisins. J'ai besoin de l'aide des villages indigènes. Recherchons Beaumont pendant que Kanyenke cherche de l'aide dehors. On dirait que Beaumont s'est enfui. Mais regardez ça!
Petite nièce, cela faisait bien longtemps. Oui, 5 ans depuis la mort de mon père. Que faites-vous là? Je piste Beaumont depuis des mois. Le cercle d'Ossus et lui pensent que vous savez où se trouve le lac de la Lune. Encore cette vieille histoire? Vous oubliez en quelle année nous sommes. Le cercle est bien réel. Votre grand-père l'a appris avant de mourir. Beaumont est leur chef actuel. Le cercle ne trouvera rien au lac. La fontaine de Jouvence est un mythe. Et Beaumont? Enfui. Et en plus, il a tué mes meilleurs hommes. Vous comprenez? Beaumont va aller en Floride pour obtenir des Séminoles ce qu'il n'a pas eu de vous. Et même si le lac est un mythe, l'or perdu se trouve dans les marais. Alors allons-y. Grand Inquisiteur, le Séminole dit que les Incas ont emmené l'eau, mais il ignore où ils sont allés. Vérifiez qu'il ne sait rien. Coupez-lui d'abord les orteils, puis les doigts, un par un. On a trouvé de nombreux doublons, mais la plupart de la flotte reste enfouie. Prenez l'or, puis on cherchera l'eau. Plus vite, la fille et ses amis vont bientôt arriver. Ils ne font pas le poids contre le cercle. Peut-être que oui, peut-être que non. Trouvez vite l'or espagnol ou vous perdrez plus que vos doigts. Vos ancêtres ont combattu le cercle ici. Ils ont détruit la fontaine et coulé la flotte. L'or est peut-être encore là, tout près. Ne vous inquiétez pas. Beaumont n'aura pas cet or. Ce marais était le lac de la Lune? Je ne vois pas de fontaine de Jouvence, mais la région regorge de doublons de l'ancienne flotte espagnole. Je m'approprie cet or espagnol, comme tous les objets intéressants que je trouverai dans ce vieux marais. Rendez-vous, ou bien vous mourrez ici. Melou, attaquez! Cooper! Beaumont, il va le payer. Le QG du cercle est à la Havane, mais j'ignore si Beaumont est allé là-bas. Les Séminoles ont une légende. Leur chef vous l'expliquera mieux que moi. Du temps du chevalier Morgan, les Incas emportèrent de l'eau vers la vallée de Pacasmayo. Beaumont cherche l'eau. Il va y aller. Les Incas? Les Incas sont tous morts. Mon père m'a dit que des captifs sont rentrés chez eux une fois la flotte espagnole coulée. Alors trouvons cet endroit avant Beaumont. Nous mîmes le cap vers l'Amérique du Sud, puis nous traversâmes la jungle sur la piste de Beaumont jusqu'au pied des Andes. J'ignore ce qui m'importait le plus. Trouver le reste de l'or espagnol ou venger la mort de Cooper. Quoi qu'il en soit, il n'était pas question que le cercle d'Ossus l'emporte. Je suis Bolivar. Que faites-vous ici? Vous êtes avec les Espagnols? Non. On poursuit un Français, Beaumont. Il recherche le territoire Inca. Je sais où c'est. Les Espagnols vous arrêteront. Mais, ensemble, nous pouvons peut-être organiser un assaut. Aidez-nous à chasser les Espagnols et je vous aiderai aussi par la suite. Les villages locaux nous aideront à vaincre les Espagnols. Nous avons chassé les Espagnols! Les villages locaux vous remercient.
Vous avez libéré mon peuple. Comment pouvons-nous vous remercier? Avez-vous un guide? On va vers l'est, dans la vallée de Pacasmayo. Je vais vous donner des hommes, mais prudence. La montagne est dangereuse à cette saison. On prend le risque. Bonne chance, général. Il y a un col plus haut. Vous le voyez? Est-ce vraiment le bon chemin? Vous croyez? L'armée de la garde des reliques est derrière nous. Avançons. Nous sommes arrivés dans la vallée. Les Incas sont vivants. Ce lieu est réel? Cessez le feu! Je m'appelle Amelia Black. Je sais qui vous êtes. Vous êtes un descendant du chevalier qui a jadis sauvé mon peuple. Nous nous préparons depuis des années. Comment ça? Regardez, le cercle vient chercher l'eau. L'eau est secondaire. Mon peuple doit passer en premier. Amelia, aidez-nous à défendre la dernière cité Inca. Nous devons à tout prix renforcer les défenses de cette cité Inca. La cité est sauvée. Votre peuple sait se battre. Ce n'est pas encore fini. Beaumont s'est enfui en emportant de l'eau. Arrêtons-le! Le cercle a bloqué le col Est. Vous ne passerez pas. Maintenant qu'ils ont l'eau, ils vont se rassembler dans l'ossuaire. C'est leur QG, près de la Havane. Alors suivons-le. Vous croyez donc à la légende de l'eau de la fontaine? Je ne sais que croire. Mais que deviendra le monde si Beaumont est immortel? Des navires de guerre sont censés combattre le cercle. Où sont-ils? D'expérience, je sais que les promesses du gouvernement américain ne sont pas fiables. Ils sont en retard. Installez le camp. Alors voilà le fameux ossuaire. J'ignore si nous pourrons franchir l'ossuaire. Nous devrions peut-être débarquer sur la côte sud de l'île. D'autres navires américains sont arrivés. Vous avez besoin d'aide, on dirait. Il était temps. Assiégez l'ossuaire. Beaumont est à nous. Victoire! L'ossuaire est tombé. Mais je veux m'assurer que Beaumont est mort. What I remember most about that day are the smells. Black powder, sweat, and too much death. Or maybe all I was smelling was that damn Beaumont. Was the fountain's water worth it all? I never found out. What I did know was that the Circle had stored a lot of treasure in the ossuary over the years. Uncle Kenyon said we shouldn't profit from the cult's blood money, but most of the gold came from those Spanish treasure ships Morgan and Lizzie sank. The way I figured it, the Circle of Ossus owed the Black family a little something. Don't you agree?
Bravo! Le chemin de fer relie Kansas City à la côte ouest. Oui, Falcon n'était pas le premier, mais on aura notre part du gâteau. Selon les journaux, vos soucis financiers sont finis. Nous avons trouvé des investisseurs en Floride et à Cuba. Bien, tant mieux. Votre famille doit être fière. Cette terre est à vous maintenant. À vous et aux gens de votre trempe. Des héros. Je continuerai bien, mais le train arrive. Vous avez brisé le cercle. Et en une seule vie. Que dites-vous ? Le train est là.